Hey, bonsoir à tout le monde. Ça fait très 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 longtemps que je n'ai pas mis une vidéo en ligne. Et justement, ça ne dépend pas de ma volonté. Et la compagnie là où je travaille, ils sont vraiment très très occupés pendant l'été. Alors, vous-même, vous savez, pendant l'été, il y a beaucoup de fêtes, il y a beaucoup de rencontres, il y a des family reunions. Les gens vraiment aiment s'amuser pendant l'été. Alors, c'est ça qui a fait que je sois vraiment occupée parce que j'ai travaillé 7 jours sur 7 et c'était pas facile. Mais hormis ça, en tout cas, je me porte bien. Un peu fatiguée, oui, mais je me porte bien et ma famille aussi se porte bien. Alors, je viens de rentrer. J'étais au soleil. J'ai passé une très bonne journée et vraiment, je suis très heureuse pour la journée. Alors, j'étais à la piscine, je me suis promenée, j'ai fait des petites courses. Vraiment, je suis très 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 ravie. Et là, j'ai laissé les enfants encore à la piscine et je suis rentrée avant pour préparer le dîner. Alors, j'ai une surprise pour les enfants, c'est faire la salade aux fruits. Et je voulais partager la recette avec vous. Et voilà pourquoi je suis là. Ok? Alors, oui, mes cheveux se portent un peu bien parce que j'ai utilisé un shampoing qui m'a vraiment gâté les cheveux par manque de temps d'aller au store pour acheter mon shampoing. Et j'ai utilisé un shampoing qui m'a gâté les cheveux. Alors, ça, c'est une parenthèse. J'en parlerai dans une autre vidéo. Alors, let's get started. Pour notre salade aux fruits, nous aurons besoin de la pastèque et l'autre melon là. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. Et je vais vous montrer comment ça se présente comme ça. Et voilà. Et nous avons l'ananas. J'ai acheté l'ananas déjà coupé. Parce que depuis que je suis ici, l'ananas d'ici vraiment ne m'intéresse pas. Chaque fois j'ai acheté l'ananas et quand tu épluches l'ananas, tu commences à manger avant même que tu arrives au milieu de ta tranche. Ça fait gratter les lèvres, la langue. Alors je me suis pas depuis là, je me suis plus intéressée à acheter l'ananas vraiment. J'ai laissé. Je préfère acheter l'ananas déjà coupé et j'achète pas beaucoup, juste un peu pour enlever le goût d'ananas quoi. J'aime l'ananas mais je suis vraiment désolée parce que ici l'ananas ne m'intéresse pas. Et alors nous avons la pomme coupée. Nous avons l'orange et le nombre ça dépend de vous. Si vous voulez deux pommes, deux oranges, deux bananes, cela dépendra de vous, la quantité que vous voulez faire. Alors ici, j'ai la banane coupée. C'est la banane fruit. Et j'ai un pot de yaourt. Normalement, c'est bien de faire ça avec un yaourt neutre, mais mon chéri a piqué le yaourt à la vanille. Bon, anyway, on va faire avec. Ok? Alors, ce qu'on va faire, c'est de mélanger tout le fruit dans un bol. Ça, c'est le bol de ice cream. J'avais acheté un ice cream pour les enfants et j'ai gardé le bol pour utiliser ça dans d'autres besoins. Voilà. On va mélanger le tout. On mélange tout le fruit. Comme ça. Et la mangue aussi. Si vous avez la mangue, vous pouvez ajouter la mangue. J'ai la mangue, mais j'ai oublié d'éplucher la mangue. Mais je vais l'ajouter hors caméra. Mais si vous avez la mangue, vous ajoutez la mangue. Yeah.
J'ai une mangue bien mûre, vous savez, c'est le moment de manger le fruit à gogo, voilà. Mais je veux le éplucher et puis le mélanger dedans hors caméra. Ok. Alors, on met les tasses à côté, voilà. Je veux mélanger le tout. Le tout comme ça. Alors, c'est pas facile tenir la caméra et faire quelque chose. Non, maman, c'est pas facile. Alors, vous voyez, il y a vraiment une très jolie couleur. Moi, j'ai épluché la pomme. Hein. Cela dépendra de vous. Si vous ne voulez pas éplucher la pomme, vous pouvez garder votre pomme avec la peau. Mais moi, j'ai préféré éplucher la pomme. Voilà. Alors, après avoir bien mélangé, et je vais ajouter le yaourt. Va ajouter le yaourt. Ok, alors ça c'est la mangue, j'ajoute la mangue et les strawberries fraises que j'avais oubliées aussi. Waouh, oh maman, tu oublies trop. Yeah, nice, bien, bien, bien mélangé le tout. Alors, on va ajouter le yaourt. Voilà. Vous savez, j'ai une grande famille, donc. Mais si vous êtes à deux, vous pouvez faire une petite quantité, hein. J'ajoute le yaourt. Voilà, voilà le tout. Et après, vous mettez au frais pendant 30 minutes et vous servez. Alors, vous pouvez servir ça comme goûter, comme dessert et comme apéritif. Alors, voilà ce que j'avais à partager avec vous et je vous remercie et je dis... Merci aux nouvelles abonnées, ne soyez pas déçus, je suis là, je suis là. Je veux faire des vidéos. J'ai aussi quelques vidéos, mais que je n'arrive pas à monter aussi parce que mon PC a des virus, alors ça demande l'argent pour clean le PC. Alors c'est vraiment too much. It's too much to do. Et pas de temps, mon mari et moi, nous travaillons dans la même compagnie, ce qui fait que vraiment difficile à faire des choses. Difficile à faire des choses, mais en tout cas,
Avec la grâce de Dieu, on s'en sort. Alors, je vous dis merci, 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 merci beaucoup. I love you guys. Et on se retrouve à très bientôt pour une vidéo pour les cheveux. Bye bye.